la partie, elle arrive juste après, vous l'avez vu, c'est Virus Song contre Imba Lovely. Virus Song qui est donc bien placé dans le tableau. Alors je sais pas si c'est un BO3, un BO4, un BO7, un BO12, mais là, eh bien, on est déjà quand même assez avancé dans le tableau. Je vais essayer de d'aller voir parallèlement, peut-être, si je peux. Où est-ce qu'on est? Je vais voir. Tournament. J'arrive. Alors pendant ce temps-là, bon, on est sur chantier naval d'Antigua, bien sûr. Hein. Virus Song en haut et Imba Lovely à droite. C'est Imba Lovely qui devrait gagner si jamais il n'y a pas trop de surprises. Alors, où est-ce qu'on est avec ce match-up là? Goody, Aristeo, Virus Song. Très bien, donc c'est un BO1 encore, puisqu'on est dans les 16e de finale. Ce sera le tour d'après qui sera donc en BO3. Et il y a encore du HG, il y a encore du Phoenix, BBQ, Navislavic, Goody. Aristeo qui a donc bien gagné son match également. Die Star. Bon, il reste pas mal de gens, pas mal de Terran. On n'a pas vu beaucoup de Terran la semaine dernière. Bon, en fait, depuis RGN Artist, on a vu assez peu de Terran réussir en Game Cred Cup. Il n'y a que lui qui arrive à faire cette espèce d'exploit. Alors, bon, nous avons Virus Song qui va ici nous faire sa caserne. Elle est lancée. Alors, Virus Song qui est assez pessimiste en ce moment. Vous savez, Virus qui n'est plus une équipe, et Song qui était dans cette équipe, équipe qui tenait vraiment à cœur et qui s'investissait beaucoup. Et l'équipe qui part en live, du coup, ça démotive les joueurs. Donc voilà, les joueurs comme Moment, les joueurs comme Song sont assez démotivés sur le ladder et en compétition. Alors après, ça n'empêche pas de faire des projets comme O-Gaming pour le moment par exemple, mais c'est vrai que niveau compète et performance en général, ils sont un petit peu au fond. Donc nous avons Hatch First de la part de Imba Lovely, le joueur qui va directement annoncer la couleur avec son bâtiment. Ce sera donc une macro game. Non, évidemment, ce ne sera pas une macro game, c'est un début tellement classique pour un Zerg qu'on ne peut vraiment pas juger une partie à ce premier bâtiment. Alors, de l'autre côté, nous avons Song qui va lui avoir sa caserne, hein, finalement, avec le centre de commandement qui va se transformer en Orbital Command. C'est normal et logique. Et voilà Imba Lovely qui descend la pente, qui arrive ici. Et pendant ce temps-là, un bunker a été lancé de la part de Virus Song à côté de la couveuse d'Imba Lovely qui avait Hatch First. Et du coup, il n'a pas encore de bassin génétique. Il l'a fait très très tôt, Song. C'est très audacieux de sa part. Alors après, est-ce que les drones vont pouvoir le contrer? J'espère que Imba Lovely l'a vu. Mais oui, évidemment qu'il l'a vu. Et il y va tout de suite et ça va suffire, je pense. Song qui va finir son bunker, mais qui, malgré tout, ne va sûrement pas pouvoir faire grand-chose avec. Voilà, le bunker qui est terminé. Oh, oh, le misclic. Ok. Non, il les avait juste séparés pour pouvoir bien entourer le bunker. Mais là, le problème, c'est que voilà, vous voyez, il va falloir que Song lance le recyclage de son bunker, parce que son Marines n'aura pas le temps d'arriver, et encore moins de tuer tous ses drones. Donc voilà, le bunker qui est recyclé, ça aura fait perdre que 25 de minerais à Song. C'est pas une grosse perte, puisqu'il aura fait perdre du temps, hein, de récolte à son adversaire finalement. Donc c'est assez équivalent, voire rentable, puisque eh bien, il suffit de 5 voyages perdus pour que Song ait gagné quelque chose dans ce push finalement. Donc bon, après ça, c'est des petits détails, hein, ça n'a pas changé le cours de la game. C'est plutôt niveau mental. La Song qui a raté son agression, qui va se dire oulala, zut alors. Et pendant ce temps là le joueur Zerg qui s'est dit c'est bon, j'ai contré, il est nul. Ah, c'est ça qui fait ce bruit? Oh, je peux pas le croire. C'est ces bouches d'aération merdique là qui font tout ce bruit. Je sais pas ce qui faisait bruit, mais c'était horrible. Alors, la Song qui perd 2 marines, un petit peu dommage, et qui va donc perdre la construction de sa deuxième base. Est-ce qu'il va pouvoir les éloigner? Ah, mais le dépôt était ouvert là, c'est un petit peu dommage. Heureusement qu'il a pas amené tous ses Zerglings, il aurait pu aller peut-être un petit peu plus loin. Belle micro de Song qui lui permet de se séparer de ses quelques Zerglings ici, mais il perd quand même le VCS de la deuxième base. Et là, voilà, il y a un Hélion plus quelques marines. Voilà. C'est pas du tout efficace. Mais bon, voilà, je vous dis, c'est de l'embêtement tout ça. C'est de l'embêtement. C'est de l'ennui fait à son adversaire. On l'embête un petit peu, on regarde comment il réagit, on voit comment il joue, tout ça, tout ça. Enfin bon, nous on a ces deux marines, effectivement. Donc très bien, 150 de minerais. Et voici un Hélion qui arrive. Un Hélion qui arrive dans cette base. Alors il y a deux Pok-Pok situés. Bon, celui-là est un peu mal situé, l'autre un petit peu mieux. Mais il y a la Queen qui va permettre de faire eh bien tampon en attendant que l'autre arrive. Alors il a quand même tué deux drones avec. Bon, c'est une bonne chose. 4 drones, pardon, j'avais pas vu. Excusez-moi, ah non, c'était les Zerglings, je pense, là-bas. Donc il a tué deux drones, effectivement, avec plus les deux Zerglings. Ça lui fait 4 kills. Bon, un Hélion évidemment rentabilisé, hein, même si en valeur il ne l'est pas. On peut dire que là, l'agression est rentabilisée avec cette enfin l'agression, le petit run-by, voilà. Alors, Imba Lovely, 42 pop, qui part, je vous dis, gagnant sur le papier sur ce match-up, mais ça ne veut rien dire.
On a de la tumeur muqueuse ici avec Imba Lovely qui peut évidemment maintenant les faire traverser sous terre et les faire arriver ici. Ce serait une très bonne chose de sa part et voilà qu'il le fait. Vous voyez les tumeurs muqueuses, les deux tumeurs muqueuses qui vont aller se déplacer. Il y a la première. Bon, il y a une queen qui sert à faire que ça. Vous voyez la 3 queen. Ça c'est pour éviter les banshees, ce genre de choses et même les run by en tout genre, des lions, marines et tout. Ça permet d'avoir pas mal d'unités qui peuvent tanker, enfin absorber les coups. Magnifique wall hein, en plus de la part d'Imba Lovely. On peut le noter, vous voyez, avec le gaz, les queens et tout. Là vraiment on a une sacrée ligne de défense avec donc très très peu de passages vers ici pour les quelques unités de Song qui sont en train d'arriver d'ailleurs. Elles arrivent ici, elles arrivent. Alors pour l'instant, son drone, on va voir s'il va réussir à monter. Il y a un drop qui va être fait en même temps, mais tout ça va être vu par les tumeurs muqueuses adverses. Hein, évidemment, regardez Imba Lovely qui voit tout ça arriver, qui avait une macro hatch en train d'être lancée au niveau de la construction. Et le Medivac et les unités de Song qui vont être actives ici. La Queen qui va arriver, la Queen qui va peut-être tomber, qui va prendre assez cher. Virus Song qui n'a pas encore le Steampack. Les premières Queens qui commencent à essuyer quelques tirs. Il y a les Pop Pop qui sont enracinés ici, les Hélions qui sont arrivés. Peut-être la première Queen qui va tomber dans la très belle transfusion de la barre d'Imba Lovely. Imba Lovely qui va reculer, qui va pas perdre aucune unité pour l'instant. Même pas la macro hatch, il continue de transfuser. Il a fait quelques Zerglings pour pouvoir lutter. Il va essayer de focus ce Medivac avec les Queens. Et pendant ce temps-là, il y a les Hélions qui sont partis de l'autre côté. Très belle opération pour l'instant de la part de Song qui fait pas mal de dégâts dans l'économie adverse. Mais deux Hélions ne suffisent presque pas pour faire pas mal de dégâts. Bon, il a perdu pas mal d'unités. Il a pas perdu tous ses Marines. Ah tiens, il va l'embêter en tuant cet Overlord. Est-ce qu'il va réussir à le tuer? Ouais, il a réussi à le tuer. Du coup, c'est pas mal en fait ce qu'a fait Song. Il a quand même réussi à tuer 5 drones. Il a perdu 3-4 Hélions avec 2 Marines, mais à côté de ça il a tué un Overlord, il a un petit peu supply block son adversaire. Là il aurait même pu drop hein, pour tuer cette Queen. Il l'a pas vu, c'est bien dommage, il est parti en majuscule clic. Ah, il va chercher les Overlords, il est taquin. Il est taquin ce Song. Dis donc, la portée des Marines c'est impressionnant. Alors là il faut pas, non il faut pas qu'il drop parce que là le problème, et oui voilà, c'est qu'il va se faire focus en plus par les Queens. Aïe 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 aïe, ça va tomber. Ça va tomber. Wow, 6 HP, donc là il a eu bien chaud quand même un Song, voire un petit peu de chance. Mais bon, bon les deux joueurs qui sont à peu près équivalents. D'ailleurs ça se voit sur les pertes, hein. Vous voyez 634 de ressources perdues contre 612 pour le joueur Zerg. Donc c'est assez équivalent, je vous l'ai dit. Niveau income pour les deux joueurs, eh bien on est aussi assez équivalent. Sachant que Song lui, eh bien avait un petit transit il me semble. Plus le fait qu'il avait peut-être pas mule tout de suite. Donc là on est à peu près, hein, je dis bien, à égalité. Après, niveau technologie, eh bien, ça s'égalise également. On est sur le tier 2 ici, mais pas encore de bâtiment tier 2. De l'autre côté, on a quand même la facto, beaucoup de facto assez avancée, avec des chars qui peuvent bientôt se mettre en siège. Non, il a lancé la flamme bleue, mais pas le siège. Attention à ne pas l'oublier, Song. Hein. Il y a des joueurs Terran, souvent, qui oublient cette amélioration et qui se retrouvent un petit peu jambon au niveau des attaques après. Ce serait quand même dommage. Alors, il lance du Thor. Alors, est-ce qu'il y a du Muta prévu en face? Pas pour l'instant. On a une fausse infestation qui a été lancée, quelques Zerglings qui vont aller voir ce qui se passe un petit peu. Pendant ce temps là il y a un drone qui était parti en haut qui va peut-être faire une hatch, mais Song le poursuivait depuis tout à l'heure avec son marine et du coup il s'est bien douté qu'il y avait une base cachée qui arrivait. Et voilà, il a trouvé cette base. Alors parallèlement il y en a une autre hein, qui est en train d'être faite ici à droite. Ça, Song ne peut pas encore le voir. Et il va revenir avec quelques Hélions. Premier kill de cet Hélion, le first blood unité. On va voir ce qui va se passer. Attention, attention, on avance. Oui, nous avons la flamme bleue, c'est vrai. Mais le problème c'est que Song s'est fait entourer avec tous ses Hélions. Il aurait pu faire très mal, mais il a fait moins mal que prévu. Bon là il se débrouille assez bien avec son hit and run. Même si c'est pas non plus la Joga Bonito, il arrive à tuer pas mal d'unités. Alors si, ça va, il s'est très très bien débrouillé. Ça aurait pu être bien pire vu le début qu'il a fait. Bon, pourquoi pas, admettons. Alors on va voir qu'est-ce qui va se passer. On a le VCS ici qui est en bas. Hop là, qui est en bas. Le VCS qui part. Pendant ce temps là nous avons Imba Lovely à la Tour Xel'Naga. Bon, très bien. Pas de grosses informations. Nous avons en plus dépôt de ravitaillement sur la droite. Nous avons, bon il y a beaucoup de facto, hein. Song qui s'est vraiment lancé dans du méga. Ah mais c'est VOD Portal RU qui lag. Voilà, c'est pas moi, je le savais. Moi je lag jamais, de toute façon c'est facile à deviner. On a donc les Thor. Alors les Thor version Collector, hein. Collector est là avec les ailes et tout, c'est plutôt sympa. Et là pendant ce temps là donc 4 Hélions qui repartent. Donc les Hélions flamme bleue maintenant. On a. Est-ce qu'on a l'amélioration de char de siège qui a été. Ah, il a toujours pas été lancé. Song qui a oublié. Là, on peut le dire. C'est vraiment un oubli. Puisque des chars qui peuvent pas se mettre en siège face aux Zerg, bah, ça peut être efficace. Mais en fait, pas trop. Bon, je sais pas. Alors là, on a une avancée dans cette base. Il a un petit peu séparé ses Zerglings. Vous voyez, pas tous les tuer d'un coup. Le problème, c'est qu'il les tue tous quand même. Et du coup, il va arriver avec plein de Zerglings. Ou peut-être tenter le run by carrément. Il sait pas trop ce qu'il va faire pour l'instant. Imba Lovely, il hésite entre les deux. Non. Bon, Song est reparti.
Alors qu'il y avait une queen qui arrivait, c'est bien dommage. Pour l'instant, c'est vraiment Imbalovli qui a le contrôle de la map. Hein. Vous voyez, il a 3 bases, 4, 5 bases. Song qui est seulement sur 2 bases après 14 minutes. Il nous fait un petit peu un build de turtle là. Hein. Un petit build de tortue. Est-ce qu'il va recycler son bunker et tenter une attaque qu'on pourrait appeler finale? Le recyclage du bunker est lancé. Attention, attention. Alors peut-être le push de Song qui peut faire mal. Hein. Néanmoins, bon après, j'espère. Ah voilà, l'amélioration de char de siège a été lancée enfin pour Song. Donc il va l'avoir pour son attaque. Il a pris pas mal de VCS. Il a pris pas mal de VCS, on va voir s'il va pouvoir être efficace avec. Puisque le build mecha avec des VCS, évidemment, le but c'est de réparer, hein, évidemment. Et là, Imbalovli a pas mal... Alors il a scanné, après il a peut-être pas scanné au bon endroit puisqu'il y a pas mal de Zergling derrière. J'espère que Song les a vus. Il va essayer de prendre par derrière quelques torts ou carrément le run-by très intelligent de la part de Imbalovli qui va véritablement jambonner Song. Il y avait quelques Hélions ici qui auraient pu faire la différence mais c'est terminé maintenant. Song va devoir faire un choix, revenir ou mourir. On dirait que pour l'instant le choix c'est de mourir. Il va attaquer son pote Zerg, essayer de faire la différence en trade base. Peut-être faudrait soulever cette station orbitale parce que là, à part perdre tes units, il se passe pas grand-chose. Et Song qui détruit la première hatch. Mais faut pas oublier que de l'autre côté le Zerg a de la réserve. Il a soulevé sa base. J'espère que là ça va pas trop être dramatique. Allez, faut se mettre en siège avec ce char quand même, préparer sa défense. De l'autre côté il y a du terrain infesté, du cafard. Mais là le build mecha de Song est assez efficace pour l'instant. Les terrains infestés qui ont été détruits quasiment instantanément. Les torts qui sont très solides. Il y a beaucoup de points de vie. Il y a encore du VCS qui répare en automatique. Regardez les points de vie du tort qui descendent, qui remontent, qui descendent, qui remontent. Et là le joueur Zerg qui est néanmoins quand même malgré tout en difficulté. On ne peut pas le nier, Imbalovli qui va devoir se défendre et également lui aussi faire un choix. Il va revenir avec quelques Zerglings, il va en perdre quelques-uns avec le shard en siège bien placé de Song. Encore un petit coup, voilà. Et du coup pas mal de kills, mais Song qui n'a quasiment plus de shard de siège. Il n'en a que deux dans cette attaque, ils sont bien positionnés, il n'a plus des lions. Il envoie tous les drones, Imbalovli maintenant. Et là Song va devoir faire face à la dernière défense de son adversaire. Il envoie tous les drones, tous les drones, tous les drones, tous les drones. Alors je sais pas s'il reste des VCS à Song, j'ai l'impression que non. Mais là les torts font un très très bon travail et pour l'instant Imbalovli est en train de tout perdre. Oh là là, qui l'eût cru, avec une belle micro-gestion des Medivac que Song est en train de réaliser ici. Il fait vraiment du très très bon jeu Song. Et du coup c'est Imbalovli qui est en train de perdre cette partie. Song est en train d'éliminer l'un des favoris de cette Game Great Cup. Et Imbalovli 27 de pop contre Song 113 de pop avec un push mecha qui fait évidemment très mal. Regardez-moi ça, 25 kills, 20 kills, 25 kills, 15 kills, 16 kills. C'est une catastrophe, 16 kills avec les chars à 18 et 23 kills. Là vraiment peu d'unités, mais des unités qui coûtent cher, des unités efficaces. Assisté d'une bonne micro-gestion, on peut vraiment rien reprocher ici aux joueurs français, franchement, à part peut-être le bad manner, mais là, là franchement, Song c'est bien joué de sa part. Franchement c'est bien joué de sa part, il l'a pas volé sa victoire, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon après Imbalovli n'a toujours pas dit GG, hein. je sais pas ce qu'il fait pour l'instant. Il peut peut-être tenter une dernière défense à l'intérieur de sa base carrément. Mais là il peut carrément faire monter des unités Song, il a des VCS en plus, il a des chars en plus, il en a 3 qui vont pouvoir se poser en bas. Donc là avec ses 3 pauvres roaches, je sais pas trop ce qu'ils vont faire. En plus il a repris le contrôle de sa B2 Song, il a fait un autre centre de commandement devant au cas où après. Et là Song qui avance, 113 de pop, Imbalovli qui va devoir se rendre à l'évidence, c'est... terminé, il va tenter une dernière attaque. Il va falloir relever son dépôt peut-être. Song, relève le dépôt, relève le dépôt. Ça peut changer, ça peut tout changer ce genre de truc, hein. Voilà, le dépôt est relevé. Et maintenant Song dans cette base. Ça se passe de commentaires. Le jeu a été propre, honnêtement il a vraiment pas volé sa victoire. Et là il décolle le CC. Et oui, et en face il y a que du cafard et du Zergling, aucune unité anti-aérienne. Donc Imbalovli qui est en train de perdre. Et qui lâche, et qui lâche. Et qui lâche son GG, logique. Et évidemment manœur. Avec un Song bah, très en forme, on peut le dire. Un Song qui va être content, je pense, hein, d'avoir gagné quand même cette game. Donc GG, désolé s'il y a des petits lags, mais...